Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours qui sera consacré aux linked lists. La linked list classe est une collection qui permet de contenir plusieurs objets du même type, comme les ArrayList. La linked list classe a toutes les mêmes méthodes que la ArrayList, car elle implémente tous les deux l'interface list. Cela signifie que vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier des éléments. Mais avant tout, il faut savoir qu'il y a une différence. La ArrayList classe a un tableau régulier à l'intérieur. Lorsqu'un élément est ajouté, il est placé dans le tableau. Si le tableau n'est pas assez grand, un nouveau tableau plus grand est créé pour remplacer l'ancien. Mais dans la linked list classe stocke ses articles dans des conteneurs. La liste a un lien vers le premier conteneur et chaque conteneur a un lien vers le conteneur suivant dans la liste. Donc, pour ajouter un élément à la liste, l'élément est placé dans un nouveau conteneur. Et ce conteneur est lié à l'un des autres conteneurs de la liste. Je vais commencer par vous montrer comment déclarer un linked list. Donc, pour le faire, c'est exactement pareil que le arrière list. Faut mettre linked list. Puis, faut mettre le type d'élément que nous allons mettre, puis le nom link list new link list. Donc c'est exactement pareil que le arrière list, et comme j'ai précisé tout à l'heure, ils ont les mêmes méthodes. Donc nous allons mettre par exemple un nom du pays. On va utiliser la méthode add France. Puis un autre, Allemagne. Ça va nous mettre en Belgique. Puis on va afficher tous les éléments. On va compiler. Et dans la console, nous avons les éléments que nous avons mis dans notre liste pays. Par contre, il faut savoir que linked list fournit plusieurs méthodes pour effectuer certaines opérations. Par exemple, on a la méthode addFirst. Donc, addFirst, qui permet d'ajouter un élément au début de notre liste. Donc, nous pouvons mettre, par exemple, Chine. Et on va réafficher notre liste. Donc, comme vous voyez, la différence entre le premier liste et ensuite le deuxième, il y a Chine qui a été ajoutée. Puis il y a aussi d'autres méthodes, comme add last par exemple, qui va ajouter au dernier de notre liste. Donc nous allons mettre par exemple Ghana. Au dernier, à la fin, nous avons Ghana. Puis il y a la méthode remove qui va supprimer le premier élément, ou remove last qui va supprimer la dernière élément. Donc Chine et Ghana vont être supprimés. Oh, excusez-moi, je vais les afficher. Et comme vous voyez, ils ont été supprimés. On peut notamment afficher les derniers éléments.
get first ou get last. Et comme vous voyez, on a premier élément, France, dernier élément, Belgique. J'espère que vous avez compris cette brève introduction. Dans le prochain cours, nous allons effectuer des exercices pour bien comprendre. Donc, à bientôt!